Tu vois cette veste? Tu la vois? Tu la vois? Et bon, on va pas du tout parler d'elle. Ah. Donc vidéo plutôt cool, plutôt simple et qui va être assez rapide. On va parler d'un petit t-shirt qui se trouve en dessous de cette veste, bien évidemment. On va parler de du t-shirt Levi's. Donc voilà, petit t-shirt Levi's, tout simple, tout basique, angle déchiré avec voilà le petit logo floqué juste au milieu. Moi, je vais pas vous mentir, je suis pas véritablement fan de cette marque, du moins par rapport au t-shirt, etc. Puisque je trouve que c'est assez simple, même un peu trop basique. Bon, après, la qualité, elle est vraiment présente. 100% coton, donc ça, c'est vraiment plutôt agréable sur le corps. Bon, après, voilà, encore, je le répète, trop simple, trop basique. Il y a juste le logo qui est floqué dessus. Bon, il est très beau. Il y a, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est très simple. Après, la simplicité des choses font que aussi des fois passer mieux comme ça. Et vous me direz pourquoi le présenter s'il est si simple, si la vidéo ne va pas durer longtemps, car il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bah, tout simplement parce que ça fait partie du closing et j'ai jamais présenté une pièce de chez Levi's. Pour ce qui est en conseil d'entretien, parce que c'est très important sur les fringues les amis, il faut y penser, l'entretien c'est vraiment important, tout dépend du textile, de la matière, comment c'est floqué, etc. S'il y a du flocage dessus, donc ça c'est très important. Tout sera noté en barre d'infos. Bon, je vais pas vous mentir, je pense que dans cette vidéo, ce qui va vous attirer l'œil, ça va être plus la tenue sera avec ce t-shirt Levi's, plus que la vidéo du t-shirt Levi's elle-même. C'est vrai que la tenue que je vais vous proposer, je pense qu'elle est assez belle, elle est assez streetwear, et je pense qu'elle peut vraiment passer partout. Elle est quand même tape à l'œil, parce que tu vas pas voir un gars tous les jours habillé comme ça, du moins je pense pas. Si vous en avez chez vous, bah tant mieux, hein. Il en faut bien des gars comme ça. Donc je reviens, je vais m'habiller, puis je vous montre la petite tenue, je vous dirai avec quoi je porte ça, et puis j'espère que ça vous aura plu. De la tenue, j'ai décidé voilà, de porter une petite veste noire à capuche qui tient sur la casquette. Après, pas obligé forcément de mettre une casquette, pas forcément obligé de mettre une veste noire avec une capuche. C'est vous qui décidez, moi j'ai choisi ça tout simplement. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez porter avec. Je décide pas ce que vous allez porter dans la rue, ne vous inquiétez pas. Après ça, voilà, une petite veste chambre Paris. Qui fait plaisir, hein. Bon, on va pas se mentir, si t'as pas les tétons qui pointent en ce moment même, c'est parce que t'es pas humain, hein, tout simplement, parce que moi personnellement, je me pèle les miches, hein, carrément, je vais pas vous mentir. Voilà, vous pouvez voir avec un petit jean de chez Pure Beer, avec des petites NMD 40 de chez Adidas, tout simplement. Moi je trouve la tenue assez stylée, dites-moi en commentaire. Plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention sur la route, n'oubliez pas trop d'alcool pour le nouvel an s'il vous plaît, ou du moins restez chez les gens, restez même chez vous le soir si vous buvez trop, mais ne prenez pas la voiture. Et je vous dis à très très bientôt, il va y avoir du vraiment très très beau qui va arriver dès le mois de janvier, mais je vous promets qu'il va y avoir du très beau. Donc je vous dis à la prochaine, plein de gros bisous, faites attention encore un peu. Peace n'est pas sur moi.